Yo ma petite femme, c'est Azera, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour faire le mode tutoriel qui est arrivé récemment dans Ninjala pendant la saison 5 et c'est un mode gratuit. Avec ce mode on va pouvoir apprendre toutes les bases qu'il faut connaître dans Ninjala. On avait déjà eu, quand le jeu était sorti, une vidéo qui nous expliquait un petit peu les mouvements etc, mais le problème c'est que faire une prise en main c'est pas pareil que de regarder une vidéo. Là au moins on a des explications avec une vraie prise en main, donc c'est plutôt cool. Avant de commencer le mode tutoriel, comme d'hab, on me met un maximum de pouces bleus car ça aide la chaîne en référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Allez, let's go. Donc pour accéder au mode tutoriel, c'est très simple, regardez, il suffit juste d'aller là où il y a le mode histoire en temps normal, voilà, donc vous cliquez dessus et vous allez avoir accès directement, voilà, en premier, compte pour les débutants de Ninjala, apprenez les bases de Ninjala. Voilà, donc il suffit juste de cliquer sur le bouton A et c'est parti. Regardez, on a accès à toutes les missions, je les ai comptées. Au total, il y a 33 missions à effectuer pour terminer ce mode tutoriel et on apprend vraiment plein de choses. Donc on va commencer par le commencement, hein, tout simplement, débutant, le déplacement, se déplacer, commencer le compte pour les débutants de Ninjala, bien sûr, nous on est là pour ça, on veut apprendre des choses, c'est parti. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va aider tous les débutants à bien connaître les movesets et du coup aussi moi, étant donné que j'ai commencé à jouer au jeu quand il est sorti, je vais peut-être pouvoir vous expliquer un petit peu si c'est vraiment utile ou pas. Essayez de vous déplacer avec le joystick gauche, maintenez le joystick gauche quand vous êtes face à un mur pour l'escalader. Ok, donc allez, c'est parti, let's go. Donc on va faire ce qu'ils nous disent, dirigez-vous vers la cible, vous pouvez également courir sur les murs. Donc là il faut aller sur les vaisseaux lumineux, donc sur les faisceaux, pardon, excusez-moi, parce que vaisseau c'est pas pareil, mais en vrai c'est pareil que dans le mode histoire. Pour ceux qui ont acheté le mode histoire, souvent pour nous donner des indications sur les endroits où on doit aller pour accomplir les tâches qu'on a à faire pour avancer dans les missions du mode histoire, et bien c'est représenté comme ça, donc c'est plutôt sympa. Allez, let's go, on a déjà terminé la première mission, c'est parti, on fait suivant. Donc c'est bien, ça s'enchaîne plutôt rapidement. Saut. Pour sauter, appuyez sur B. En réappuyant sur B pendant que vous êtes en l'air, vous pouvez effectuer un double saut. Déplacez-vous en 3 dimensions en grimpant au mur et en sautant. Ok, donc là, où est-ce qu'il est le vaisseau lumineux? Alors, il faut juste sauter. Ok, bon, il n'y a pas de faisceau lumineux pour l'instant. Ok, faut sauter juste 3 fois, je crois. C'est quoi ce truc? Double saut. Donc là, il faut appuyer 2 fois sur B. Voilà. Encore une fois. Allez, let's go. On a terminé. Ok, donc vous voyez, ça va vraiment super vite. L'avantage aussi, je l'ai pas dit, mais on gagne beaucoup de récompenses grâce à ce mode tutoriel. Donc si vous venez d'arriver sur le jeu, faites-le en premier. Vous allez pouvoir gagner plein de choses qui vont vous aider pour le mode en ligne, etc. Pour débloquer des médailles d'or, d'argent et tout, pour améliorer vos cartes immobilières. Donc franchement, faites-le, ça vaut le coup et c'est gratuit en plus. Appuyez sur la touche L pour esquiver. Esquivez rapidement les attaques et réduisez la distance entre vous et votre adversaire. Vous consommez une unité d'énergie S, alors soyez prudent. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Donc on appuie sur L, voilà. Et on peut aller chercher des boules d'énergie. Donc c'est ça, hein, pour ceux qui connaissent pas, les boules d'énergie S, c'est les petites boules jaunes. Voilà, qui aussi dans le mode en ligne, par exemple, vous donne un supplément de 5 points. Bon, vous allez me dire 5 points, ça peut paraître bête, mais bon, après, quand on est en team battle, ça peut faire beaucoup. Voilà, si tout le monde ramasse des petites bouboules, à la fin, ça fait des petits points qui peuvent compter. Et croyez-moi que les parties, parfois, sont très serrées. Alors, terminé, voilà, donc on a reçu encore des récompenses. Attaque normale. Pour attaquer, appuyez sur la touche ZR. Vous vous approcherez automatiquement de vos adversaires si vos attaques normales sont rapides. Vous serez le premier à frapper. Vous pouvez faire un combo à 4 coups avec un katana Ippon. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la touche ZR, hein, c'est la touche qui est vraiment sur le dessus de la manette, en fait. Hein, c'est la touche à l'arrière. Voilà, donc vous avez juste qu'à cliquer dessus. Réalisez un combo avec une attaque normale, vous vous approcherez automatiquement de votre adversaire. Ok, bon, en fait, il faut juste l'attaquer, voilà. Donc, c'est ça le fameux combo qu'ils appellent avec le katana Ippon à 4 coups. 1, 2, 3 et 4. Voilà, il suffit juste d'appuyer sur la touche. Hein. En gros, vous spammez et ça va marcher. On refait encore une fois. Et voilà, on a terminé. Bonus final obtenu. Suivant, voilà, on continue. Alors, attaque dans le dos. Ça, c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, franchement, ça, c'est un point super important. Appuyez sur ZR tout en maintenant le joystick à gauche ou à droite. Le joystick gauche, pas le joystick droit. Parce que le droit, souvent, c'est uniquement pour la caméra. Après, vous pouvez changer dans les paramètres de touche, mais normalement, initialement, c'est comme ça. Maintenez le joystick gauche pour attaquer en continu. Vous pouvez attaquer en esquivant les attaques normales. Voilà, donc on enchaîne. C'est parti. Donc là, regardez. Je l'attaque, j'appuie, hop, et ça me TP. Vous voyez? Hop, ça me TP. Hop, ça me TP. Voilà.
et hop, ça me re-TP. Donc en fait, c'est super sympathique parce que vous pouvez faire encore plus d'enchaînements. En vrai, quand le mec commence à se faire enchaîner comme ça contre un katana, s'il a pas la possibilité de faire une garde, clairement, il est mort. Je vous le dis, c'est impossible. Un katana Ippon, on s'en sort pas, hein, d'un enchaînement comme ça. Enfin, n'importe quel katana, hein, mais c'est vraiment trop trop fort. Appuyez sur ZR tout en maintenant la touche L. Le joystick gauche, pardon, vers le bas pour effectuer une attaque 360. Donc ça, pareil, c'est super intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Elle prend du temps à s'activer, mais couvre une large zone. Vous pouvez utiliser les attaques dans le dos, même lorsque votre adversaire est derrière vous. Ok, sachez que faire une attaque 360 avec un katana Ippon mettra fin à votre combo. Alors, pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Bon, là, pour l'instant, on n'est pas dans un cas où je peux vous montrer vraiment pourquoi. Mais ça, c'est super bien quand vous êtes, par exemple, sur un drone. Vous attaquez toujours avec le bas et les gens qui vont essayer de vous rentrer dedans, bah souvent ils peuvent pas parce que ça vous donne, allez on va dire une pseudo-immunité, parce que les mecs ne peuvent vraiment pas vous rentrer dedans quand vous êtes en train de tourner comme ça à chaque fois, c'est impossible. Franchement c'est impossible parce que ça fait vraiment des dégâts sur tout le tour de vous-même et du coup ça vous protège plutôt pas mal. Donc quand vous faites un drone, privilégier l'attaque du bas quand vous êtes au katana, ça peut être intéressant. Après, ça dépend aussi, ça dépend de pas mal de paramètres pour augmenter votre jauge de ninjutsu, etc. Mais voilà, dans l'immédiat, l'attaque du bas elle fait vraiment super mal et pour terminer un adversaire, surtout, c'est vraiment sympathique. Les armes chewing-gum ont également des techniques spéciales avec certains attributs. Elles ont un délai de récupération, alors réfléchissez bien à votre stratégie, maîtrisez-les pour obtenir un avantage au combat. Technique spéciale, voilà. La technique spéciale du katana Ippon est ruée. Cette compétence vous permet de charger votre adversaire pour lui infliger des dégâts. Vous pouvez l'utiliser pour créer des combos et même vous déplacer. Par exemple, cette technique-là, elle est super intéressante pour un point en fait qui m'a beaucoup servi quand j'ai commencé Ninja là. En vrai, quand vous commencez à enchaîner l'adversaire, par exemple, regardez, je fais 1, 2... 3, 4, voilà, je peux plus, en vrai là le combo est terminé. Par contre, si je fais 1, 2, 3, si je fais 1, 2, 3, je lui rentre dedans et là je peux renchaîner, vous voyez. Donc ça me fait faire des coups supplémentaires. Donc à utiliser vraiment à bon escient, voilà, pour pouvoir être sûr de terminer votre adversaire rapidement, si on peut le dire comme ça. Et aussi, bah pareil, quand vous voulez rentrer sur un drone, ça peut être bien de faire un gros dash parce que ça vous donne une invincibilité, ça fait un bouclier, regardez, vous voyez, autour de vous, qui vous permet vraiment d'être immunisé. Clairement, hein, les mecs ne peuvent strictement rien faire, ils peuvent pas vous attaquer quand vous dashez sur quelqu'un, c'est impossible. Voilà. Ok, donc suivant. Voilà, donc ici, les ninjutsu gomme sont deux puissantes attaques ultimes. Si vous battez un adversaire avec un ninjutsu gomme, vous réalisez un Ippon et marquerez des tonnes de points. Utilisez-les pour inverser le cours de la bataille, attaquez pour remplir la jauge de ninjutsu requise pour les activer. Le ninjutsu gomme de Katana Ippon et la Tornade Ninja, qui est vraiment super, super OP, hein, faut dire ce qui est. Infligez une tonne de dégâts en utilisant du ninja gomme en forme de tornade. Vous pouvez vous déplacer avec le joystick gauche pendant que vous l'utilisez. Les ninjutsu gomme vous rendront invincible. Voilà, donc ça c'est net, hein. Ça franchement, quand vous utilisez ce style de ninjutsu gomme là, vous êtes invincible. Par contre, il y a des ninjutsu gomme qui ne sont pas, enfin des ninjutsu qui ne sont pas, comment dire, qui ne vont pas vous rendre invincible. Je pense par exemple à la fusée, s'il a un mec qui arrive avant que vous jetez votre fusée, bah voilà, de toute façon ça ne vous protège en rien. Le laser, c'est pareil, quand vous faites le laser avec le parchemin par exemple, bah ça vous protège pas, hein. Clairement, s'il a un mec qui vous rentre dedans, il vous rentre dedans, donc c'est pas vraiment très très vrai là ce qu'ils sont en train de dire, mais bon, c'est dans l'immédiat, dans l'idée c'est ça, avec ce ninjutsu gomme là, ça marche vraiment super bien, regardez, hop, shpoum. Donc au tout début, je me souviens quand elle était sortie cette attaque là, elle était pas super super OP, je trouve, parce qu'elle faisait pas énormément de dégâts. Et là, ils l'ont clairement boosté, elle fait carrément plus mal. Si le mec, il lui reste à peine 3 quarts de vie, vous faites ça, il est mort, quoi. Donc c'est super fort, parce que ce qui est intéressant aussi avec cette ulti-là, c'est que quand vous commencez à être en difficulté, si vous voyez que bah ça va être chaud, boum, vous le faites, quoi, et ça vous protège, et vous pouvez remonter une situation qui, à la base, est à votre désavantage. Donc ça vaut vraiment le coup de l'utiliser à bon escient. Là, encore une fois, ça dépend des situations. Alors, faire une bulle. Alors ça pareil, super intéressant. De toute façon c'est pas mal en vrai, il y a plein de choses intéressantes, vous voyez, c'est super bien. Maintenez ZL pour faire une bulle de ninja gomme. Après avoir fait une bulle, vous pouvez effectuer différentes actions, un peu d'entraînement. Ok. Donc là, voilà, la bulle c'est ça. Donc votre bulle, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une jauge d'énergie S qui est en bas à gauche, et votre bulle sera de plus en plus grande, ben, selon comment dire, votre jauge en fait. Donc vous allez avoir une bulle au début qui est un peu petite, après elle va grossir.
Cette bulle là aussi, vous pourrez la crafter pour augmenter la taille de votre arme. Mais bon, je sais pas si ça va être expliqué ça après, je vais pas vous spoiler, mais on verra bien ça. Voilà. Hop, on refait une bulle encore une fois. Ça avance, c'est parti. On a terminé. Ensuite, regardez, bah, le tir chewing-gum, ça pareil, c'est super intéressant. Alors, une fois que vous avez fait une bulle de ninja gomme avec ZL, appuyez sur la touche ZR pour réaliser un tir chewing-gum qui sera différent selon les armes que vous allez choisir. Je le rajoute, hein, c'est pas marqué, mais voilà, c'est juste pour vous l'expliquer. Cela ne causera pas énormément de dégâts normaux, mais infligera des dégâts chewing-gum. Lorsque vous avez infligé une certaine quantité de dégâts chewing-gum, vous pouvez paralyser votre adversaire. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous le tuez après ça, eh bien, vous pouvez marquer un hippon. La paralysie a un délai de récupération, donc vous ne pouvez pas vous en servir sans cesse. Essayez de l'utiliser au moment opportun. Les attributs du tir chewing-gum varie en fonction de la taille de votre bulle de ninja gomme. Voilà. Les armes chewing-gum ont également certains attributs, le tir chewing-gum du katana ippon et missile chewing-gum. Le ninja gomme sera propulsé vers votre adversaire, les coups sont font facilement bouche pardon, grâce à l'auto-guidage et infligent de lourds dégâts. Voilà. Donc on va tester tout ça pour vous montrer, parce que là c'est beaucoup de blabla mine de rien. Réaliser un tir chewing-gum, notez qu'il y a un délai de récupération. Donc pour faire un tir chewing-gum, on appuie sur la touche qui est tout à l'arrière, on appuie sur l'autre touche qui est tout à l'arrière de l'autre côté, et boum, ça jette une bulle. Donc selon les armes, c'est pas la même chose. Voilà, donc c'est à voir. Mais là avec le katana ippon, c'est ça. Donc on va le refaire. Et encore une troisième fois. Et là vous voyez, ça le gumbine comme on dit. Donc en gros il est noué. Alors ce qu'il faut savoir avec le nouage, le mec ne peut plus rien faire. Et si vous le tuez pendant qu'il... Bah, après avoir noué quelqu'un, quand vous le tuez, eh ben, vous allez marquer un hippon. Donc la différence entre un hippon et un KO classique, bah, c'est que c'est pas le même nombre de points. Et à la fin, vous pouvez gagner des bonus en ayant marqué un certain nombre de hippons. Donc voilà, à privilégier. Vaut mieux faire des hippons que des KO. Voilà, c'est vraiment la base de Ninja, c'est super important à retenir. Alors, boost gum. Appuyez sur B pendant que vous êtes en l'air et que vous avez fait une bulle avec ZL pour faire un boost gomme. L'action continuera tant que vous maintenez ZL, relâchez ZL pour arrêter. Les boost gomme sont pratiques mais consomment 3 unités d'énergie S, alors soyez prudents. Plus vous gonflerez votre bulle de ninja gomme, plus vite vous irez. Voilà, donc vous allez pouvoir vous déplacer de plus en plus rapidement selon bah, votre jauge d'énergie S. Hein. Là vous voyez elle est petite donc je suis pas très rapide. Mais après si ma jauge d'énergie S elle sera plus grande, eh bien je vais pouvoir me déplacer plus rapidement. Tout simplement. Allez, on y va, on va se déplacer sur les faisceaux lumineux. J'ai bien dit faisceau et pas vaisseau, hein. Donc, là-bas, par contre, le gros laser comme ça en plein milieu de la map, là, on aime trop. Voilà, et du coup, bah, le quatrième, il est où? Bah, il est de l'autre côté. Hop, on triche un peu, let's go, et voilà. C'est parti. Donc, on a terminé encore une mission. Suivant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bouclier gomme. Alors, attendez. Faire des bulles avec ZL peut vous protéger contre les attaques. Vous ne pouvez pas vous protéger contre les ninjutsu gomme et certaines techniques spéciales. De plus, vous vous retrouverez paralysé si vous êtes touché par une brise garde pendant que vous vous protégez. Plus il est utilisé pour se protéger contre les attaques, plus le ninja gomme diminue de volume. Une fois qu'il est complètement dégonflé, vous ne pouvez plus faire de bulles pendant un certain temps. Plus la bulle est grande, plus elle vous protège. Alors pensez à augmenter votre quantité maximale d'énergie S dès que... possible. Ok, voilà, donc ça vous l'avez compris, c'est pour vous protéger. Alors regardez, il va nous attaquer, enfin je pense. Vas-y, attaque-moi. Voilà, vous voyez, ça nous protège. Hop, et ça nous protège, voilà. Donc cette bulle-là, pareil, attention. Quand vous allez tomber contre des personnes qui savent jouer, comme ça a été expliqué là il y a quelques secondes, si vous vous faites brise garde, vous allez tout simplement bah, vous faire nouer. Donc la chose qu'on a vue juste avant, vous voyez quand ça fait le genre de chewing-gum autour du personnage, vous allez être noué et du coup, bah, en gros, vous pouvez plus rien faire et le mec, il va logiquement, dans 90% des cas, vous tuer. Quoi. Donc faites pas ça à tort et à travers, parce que si le mec, il arrive et il sait jouer, il va vous break shield et après, bah, vous êtes un petit peu foutu. Donc... à utiliser vraiment avec beaucoup d'intelligence et avec la conscience que ça peut être dangereux aussi pour vous. Voilà, donc c'est bien, ça vous protège, mais ça peut être aussi dangereux. Voilà, donc on continue. Maintenant, mettez vos techniques en pratique contre Van. Bah, viens là, toi. Regardez, je vais essayer de le gumbine pour vous montrer un petit peu que c'est utile. Voilà, on jette de bulles. Enfin, non, là il m'a contré. Boum, donc là il nous contre. Hein. On va l'attaquer, c'est pas grave. Au visage dessus, hop, et on peut le réenchaîner, vous avez vu? Donc ça c'est bien, il suffit juste de le taper plein de fois avec le katana, vous faites le combo à 4 coups, vous le dashez, boum, et vous le réenchaînez, donc c'est vraiment super cool. Toutes nos félicitations, vous avez terminé le niveau débutant, récupérez vos cadeaux dans la messagerie du jeu, merci beaucoup. Nous on continue, on n'a pas envie de récupérer nos cadeaux tout de suite. On est là pour finir le mode en entier, les drones et l'énergie S. Ah, bah voilà, quelque chose de très important dans Ninja Love, parce que
outre le nom du jeu qui est Ninjala, moi je l'appelle aussi Ninja Drone, et vous allez comprendre pourquoi. Il faut de l'énergie S pour esquiver et réaliser un boost gomme. La taille de votre jauge d'énergie S augmente lorsque vous détruisez des drones. Voilà, super important à retenir. En augmentant votre quantité maximale d'énergie S, vous pouvez faire des bulles de ninja gomme encore plus grandes. Ensuite, il existe plusieurs types de drones. Le drone rouge petit, la taille de la jauge d'énergie S augmente de 1. Et les drones rouge grand, la taille de jauge d'énergie S augmente de 2. Le joueur qui détruit le plus de drones obtiendra un score bonus d'as des drones à la fin de combat. Assurez-vous donc de détruire tous les drones que vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment la base de Ninjala. Détruire des drones, c'est super important. Vous avez donc les petits qui sont à gauche et à droite. Et vous avez Monsieur Parapluie, qui est là juste devant, voilà, qui lui bah, apporte plus de points, est beaucoup plus gros, et du coup un peu plus long à détruire, vous allez voir. Donc le petit drone, regardez, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4 coups, donc un enchaînement classique. Par contre, le gros drone, 1, 2, 3, 4, vous voyez, il est pas encore détruit, 1, et hop, donc il est un petit peu plus long. Et donc on va détruire le dernier, voilà. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, la jauge augmente, hein. Donc, et à un certain moment, vous pouvez faire du coup une grande arme selon, selon le nombre de barrettes que vous avez sur la jauge d'énergie S. Voilà. On continue. Alors bah justement, je pense qu'ils vont nous expliquer. Hein. Faire des bulles, fabriquer des armes, c'est tout en haut. Oui, c'est juste ça. Ok, bon. Alors on va lire tout ça. Les armes chewing-gum peuvent être détruites par votre adversaire. Vous serez en danger lorsque vous aurez les mains vides. Appuyez sur A tout en maintenant ZL pour fabriquer instantanément une arme. Vous serez vulnérable lors de la fabrication. Alors, faites attention à ceux qui vous entourent. Voilà. Donc, pour fabriquer une arme, c'est très simple. La touche ZL plus A, comme c'est marqué à l'écran. Et hop, vous fabriquez une arme. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose pour fabriquer une arme quand vous allez avoir votre arme qui est détruite. Ou alors, pour fabriquer une grande arme, c'est la même chose. Voilà. Suivant. On continue. Fabriquer deux grandes armes. Justement, on y arrive. Lorsque votre jauge d'énergie S est de 8 ou plus, vous pouvez fabriquer deux grandes armes. Les grandes armes sont puissantes, donc soyez le premier à en fabriquer pour avoir plus de chances de finir victorieux. Voilà pourquoi il faut détruire autant de drones que possible, comme je viens de vous l'expliquer hein, quand on avait vu les petits drones. Voilà. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté finalement. Augmentez la capacité de votre jauge d'énergie S jusqu'à 8. Donc regardez, on va détruire ce drone là. Voilà. Et comme je vous l'expliquais, les drones, moi en vrai, j'arrive, je dash dessus, j'attaque vers le bas. Comme ça toujours. Et vous voyez, je mets un coup de moins. Donc c'est mieux. C'est mieux que de mettre 4 coups. En plus de ça, bah, vous avez moins de chances de vous faire tomber dessus avec une attaque vers le bas, comme je vous l'ai dit au début. Donc après, c'est vous qui voyez, hein, clairement. Moi, je dash, je mets un coup, et ensuite je fais vers le bas. Ça va beaucoup plus vite, clairement. Et là, regardez, ma bulle est beaucoup plus grosse que tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, parce que ma jauge d'énergie S est plus grande. Et du coup, quand c'est marqué que vous pouvez fabriquer une grande arme, et bah, vous appuyez sur les touches indiquées, et vous avez votre arme qui est plus grande. Donc une plus grande arme fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, donc, et ça vous donne des avantages aussi pour d'autres choses qui, je pense, vont être expliquées après. Donc, je vais pas vous spoiler. Si vraiment c'est pas expliqué, je vous le dirai. Paralysie. En frappant votre adversaire avec des techniques telles que le tir chewing-gum, vous pouvez les paralyser. Battez-les pendant qu'ils sont paralysés pour marquer un hippon. Donc, c'est ce que je vous disais. Faites-le autant que possible. Vous marquerez plus de points avec un hippon qu'avec un KO normal. Le joueur qui aura marqué le plus de hippons obtiendra un bonus d'as des hippons à la fin du combat. Pour gagner, rien de mieux que de marquer des tonnes de hippons. Donc, comme on l'a vu précédemment, on peut gagner des bonus en détruisant le plus de drones que tout le monde. Et vous pouvez aussi gagner un bonus de hippons en marquant plus de hippons que tous vos adversaires. Donc, ça vous apporte des points bonus en fin de partie qui ne sont pas négligeables clairement hein, pour faire la différence pour bah, voilà pour gagner tout simplement. Donc faut vraiment faire le maximum de hippons et détruire plein de drones. Alors faites une bulle avec ZL, utilisez le tir chewing gum, boum, et faites une attaque normale. Voilà, donc là vous voyez en fait autour de lui il a de la matière chewing gum, donc je sais pas si vous voyez super bien, mais il y a de la matière chewing gum qui coule. Donc ça veut dire que en fait bah, quand vous allez réutiliser une technique derrière pour bah, ça va tout simplement le gum mine, voilà. Donc quand il a pris assez de dégâts chewing gum, qui le ralentissent en plus de ça, et bien si vous faites un tir chewing gum au bon moment, et bien vous allez pouvoir le gum mine et derrière ça fait un petit pont. Ça c'est vraiment les bases, hein. Clairement c'est super bien, le mode tutoriel est super intéressant au final. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dès le début du jeu, hein. Clairement je trouve que c'est même un peu tard de le mettre en saison 5, clairement. Vous marquerez, alors ninjutsu gum, vous marquerez un hippon lorsque vous battez un adversaire en utilisant un ninjutsu gum. Donc ça c'est instantané, si vous faites un kill en faisant votre ninjutsu gum qui est bah, moi en l'occurrence avec la touche X, et bien vous allez faire automatiquement un hippon. Et il y a des ninjutsu gum qui vont vous permettre de faire plusieurs hippons à la fois, donc franchement à utiliser au bon moment aussi. Le simple fait de frapper un adversaire avec un ninjutsu gum peut également vous permettre de marquer un hippon à leur visée juste. Voilà. On va lui tomber dessus,
Hop, boum. Donc je vous rassure, ça ne one-shot pas hein, cette attaque-là, parce que là c'est très trompeur ce qu'il montre. Ça enlève, je vais dire, enfin, je peux me tromper, mais je crois que c'est à peu près 3 quarts de vie. Donc si vous voyez que votre adversaire est mid-life par exemple, bah vous faites ça, c'est sûr qu'il est mort, hein, clairement. Mais ça one-shot pas du tout, clairement pas. Ça, après ça dépend, il y a des drones, oui, par exemple ça va les one-shot, mais en team battle et tout, c'est pas les mêmes drones, c'est pas la même... comment dire? Ils ont pas la même durée de vie, si je peux le dire comme ça, ils sont beaucoup plus longs à détruire les drones en team battle qu'en battle royale, donc ouais. Méfiez-vous, ça one-shot pas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, retenez-le, hein, c'est vraiment très trompeur là ce qu'ils sont en train de vous montrer avec la tornade. Briseguard, ah bah ça c'est par contre super, ça c'est la base des bases des bases, moi je vous dirais ce point-là, mettez-le dans votre tête, voilà, marquez-le sur votre front, je sais pas, mais Briseguard, voilà, vous notez sur un papier, Briseguard, il faut à tout prix maîtriser les Briseguard dans Ninjala parce que c'est la chose qui va vous permettre de prendre le dessus à coup sûr dans un fight, c'est la chose la plus importante, Briseguard. Appuyez sur R pour effectuer une brise-garde contre un adversaire qui utilise un bouclier gomme. Vous pouvez paralyser votre adversaire, les brise-gardes ne font pas beaucoup de dégâts, donc essayez de les combiner avec d'autres attaques. En fait, c'est simple. Regardez. Quand votre adversaire se met en pari, donc là, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Bon, par contre, je sais pas si s'il va se... Non, il ne va pas. Bon, ok. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, là, il a une bulle. Donc, quand il a une petite bulle autour de lui, si vous l'attaquez, regardez, il va se défendre. Voilà, donc là vous devez vous dire, mais comment on peut faire du coup s'il fait toujours une bulle, c'est impossible, on peut pas l'attaquer. Mais en fait si, justement, il a la brise-garde qui intervient. Donc la brise-garde, regardez, vous allez passer à travers sa bulle et vous allez le gumbine. Pouf, voilà. Et là, bah il suffit juste de le tuer, hein, clairement. Et c'est un hippon, comme vous l'avez vu précédemment. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la bulle elle vous protège, certes, mais si le mec sait jouer, voilà, si vous restez comme ça avec votre bulle tout le temps, bah il y en a un qui va arriver, il va faire ça et voilà, vous êtes mort quoi. Donc la bulle à utiliser avec beaucoup de précautions, et du coup la brise-garde à utiliser dès que vous le sentez, dès que vous avez une opportunité, faut pas hésiter, vous êtes près de votre adversaire, il est comme ça, et ben allez on le brise-garde, voilà, c'est automatique, faut que dans votre tête ça devienne automatique, c'est un mécanisme pardon, à mettre voilà, dans votre tête, vous, je sais pas, vous le gravez, j'en sais rien, mais les brise-garde, il faut apprendre à les placer, c'est quelque chose de primordial dans Ninjala, c'est, au début, quand on jouait, on faisait pas les brise-garde, on se disait, ouais, bon, il y a des choses, on comprend pas trop, et en vrai, quand on a compris comment ça fonctionnait les brise-garde, on a step up d'un coup, vous voyez, on a pris, le jeu il a pris une autre dimension, on a pris un niveau, c'était pas pareil quoi. Voilà. Briseguard hippon. Paralysez vos adversaires en brisant leur ninja gomme et vous marquerez peut-être un hippon. Visez donc les adversaires qui ont tendance à beaucoup se protéger. Ok, on va y aller. Voilà. Donc regardez, briseguard hippon. Donc comme je vous disais, vous le brisegardez, vous y rentrez dedans. Voilà, et ça fait un hippon. Voilà, tout simplement. Donc ça, bon, il se répète un petit peu, là. Ils auraient pu le mettre directement dans le truc d'avant, mais bon. Attaque dans le dos. Oula. Alors là, on entre dans... comment vous expliquer ça? Ce qui fait fuir, et ce qui fera, en fait, encore fuir, des joueurs dans Ninjala, qui est la RNG, en fait, c'est tout simplement un système de pierre-feuille-ciseaux. Donc, il y a une part de chance dans Ninjala qui n'est pas majoritaire, hein, je vous rassure. Les parades, vous n'allez pas être en parade H24 dans les combats. Le truc, c'est que il faut se dire que les parades, vous pouvez aussi les fuir. Ça, je sais pas si ça va être expliqué. Mais ce truc-là, n'ayez pas peur. Voilà. Ne vous dites pas, ça y est, il y a de la chance dans Ninjala. Non. Il y a énormément de game sense. Il faut avoir du skill pour jouer à Ninjala, hein, rassurez-vous. Donc, c'est une composante que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc, lorsqu'une parade se produit, sélectionnez immédiatement une attaque à l'aide du joystick gauche. Donc vous avez le choix entre haut, gauche, droite ou bas. Sélectionnez une attaque dans le dos avec le joystick gauche, vers la gauche ou vers la droite. Et vous gagnerez contre une attaque normale, mais vous perdrez contre une attaque 360 degrés. Pour faire plus simple, en gros, les attaques de gauche et de droite, ça gagne sur les attaques de haut, donc qui sont les bleus. Ensuite, si vous faites gauche ou droite et que votre adversaire fait bas, et ben c'est lui qui a l'avantage. Donc le bas, enfin le rouge a l'avantage sur le vert a l'avantage sur le bleu, et le bleu a l'avantage sur le rouge. Voilà, pour faire plus simple. C'est ce qui est expliqué avec le système de rotation. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Le problème, c'est que quand vous avez retenu ça, en vrai, vous pouvez pas deviner ce que l'adversaire va choisir. C'est là où en fait il y a cette part de chance en fait. Donc c'est bien de savoir que ça c'est plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, mais.
si votre adversaire, vous pouvez pas deviner ce qu'il va choisir. Donc après, il faut avoir un petit peu de bon sens selon les armes qu'il choisit. Et justement, regardez, c'est expliqué là ici. Si des attaques dans le dos de type marteau entrent en collision avec d'autres types, vous obtiendrez une super armure. Cela prend du temps à s'activer, mais si vous parvenez à bloquer l'attaque de votre adversaire, vous pourrez lancer une puissante contre-attaque. Donc là, vous voyez, les marteaux, par exemple, gauche et droite, ça leur donne un avantage. Donc, si vous tombez sur un mec en parade et qu'il a un marteau, dans votre tête, vous deviez vous dire, il va certainement utiliser ça pour avoir un avantage. Et du coup, vous faites rouge. Oui, c'est pas si compliqué. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les mecs savent jouer, eux, ils vont se dire, le mec va penser que je vais faire ça pour avoir un avantage, du coup, il va faire rouge, donc je vais faire bleu. Je sais pas si vous m'avez suivi. Donc, vous devez vous dire, je vais brain ce qu'il veut me brain. Donc, lui, il va vouloir faire bleu en pensant que moi, je vais pas choisir ce qui est l'avantage. Donc, vous choisissez, au final, ce que lui, l'avantage, initialement, qui est donc la gauche ou la droite. Et là, vous avez le contraire. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est beaucoup de brain. Au final, c'est beaucoup de brain pour une part de chance, en fait. Donc, c'est assez compliqué les paris. En vrai, ce qu'il faut retenir, tout simplement, sur les paris, c'est de la chance. Voilà, mais pas que. On peut aussi deviner un petit peu et on peut s'en sortir des paris. Et comme vous pouvez le voir aussi là sur l'image en haut à gauche, il y a un petit L avec un bonhomme qui court. Ça veut dire que quand vous avez la possibilité d'appuyer sur L, parce que c'est pas toujours le cas, vous allez pouvoir en fait fuir le pari. Donc si vous avez peur et vous vous dites « Ouais, moi je veux pas avoir de chance de me faire battre », vous appuyez sur L, vous vous barrez et comme ça, il n'y a plus de pari. Voilà, donc vous pouvez aussi les fuir, c'est pas automatique, c'est pas toujours que vous rentrez en parade. Voilà, donc il y a aussi des possibilités d'en sortir. Alors, regardez, une attaque dans le dos l'emporte sur une attaque normale, attendez, on va lui rentrer dedans, regardez. Donc là, quand il se met en pari comme ça, je vais vous expliquer aussi un truc, quand il se met en pari, voilà, donc quand il se met en garde, vous pouvez le break shield en fait, voilà, comme ça. C'est un moyen de ne pas rentrer en pari. Donc quand le mec se protège, boum, vous appuyez sur la touche R, c'est la chose qu'on vient de voir juste avant, hein, la brise garde. C'est pour ça que je vous dis, c'est super important, vous pouvez brise garde quand il a, comment dire, quand il a une bulle, et vous pouvez le brise-garde aussi quand il est en garde. Donc deux chances de pouvoir le gumbind et de faire des hippons. Donc c'est super important. Une attaque dans le dos, attendez, on va rentrer en parade, comme ça vous allez voir. Donc là j'ai fait haut, je fais côté, regardez, hop, j'ai gagné. Donc ça veut dire que lui il a fait haut. Voilà. Vous voyez, hop, on continue, boum, et voilà. Donc c'est ça, hein, le pierre feuille ciseaux, vous voyez, c'est très 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 rapide. Donc faut faire un choix rapidement, et selon le choix, Vous pouvez prendre l'avantage et puis tout simplement le battre. Et quand vous battez quelqu'un après avoir fait un pari, donc si vous avez gagné le pari, ou même si vous l'avez perdu, hein, votre pari, et que derrière vous arrivez à retourner la situation et que vous le battez, eh bien vous allez pouvoir faire un hippon. Donc super important, encore un moyen là de faire un hippon. Donc vous avez la possibilité de faire des hippons quand vous allez gumbine votre adversaire, donc quand il y aura le chewing-gum autour de lui, quand vous allez le break shield, et avec les ninjutsu gum que vous avez vu tout à l'heure, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Lorsqu'une parade se produit, sélectionnez une attaque à l'aide du joystick gauche, sélectionnez une attaque normale, voilà, bref. Ça on l'a déjà vu. Enfin là c'est juste la différence. Si des attaques normales de type planche, oula, attendez, ouais c'est ça, entrent en collision avec d'autres types, vous obtiendrez une super armure. Voilà. Donc les planches c'est haut, les marteaux c'est gauche et droite. Et il y a aussi autre chose avec, avec le bas que vous allez voir juste après, je pense. Si c'est pas expliqué, je vous le dirai, mais on va pas spoil. Let's go. Donc on va l'attaquer, on va choisir l'attaque du haut, hop, on prend l'avantage, boum. Alors par contre c'est un petit peu n'importe quoi parce que j'aurais bien voulu qu'on ait pas un kata des hippons du coup. Ça aurait été logique de mettre une planche là pour que les gens voient qu'il a un bonus. Et non en fait, hein, on est toujours au katana. Hein. Parce que c'est le bonus, vous le voyez, il a un petit bouclier en fait à côté de la flèche. Donc c'est vraiment pas compliqué. Suivant. Let's go. Ok, donc là maintenant on peut faire l'attaque du bas. Voilà. Et l'attaque du bas, comme vous voyez, c'est avec les yo-yo que vous pouvez avoir un avantage. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Et là vous allez me dire, avec les katanas en fait, on peut pas avoir d'avantage du coup, parce qu'il y a que les marteaux, les yo-yo et les planches. Effectivement, non, vous avez bien vu. Voilà, voilà. Alors, on y va, on va commencer à l'attaquer et on va faire l'attaque du bas. Voilà. Donc là ça fait une attaque 360, vous voyez, donc c'est pareil que ce que vous avez vu tout à l'heure, les attaques normales comme ça, là, les attaques rotation. Mais sauf que là, ça se fait tuer après une parade. Hop. Et voilà, et boum. Et on a réussi. Bonus final obtenu. Suivant. Alors qu'est-ce qu'il a ensuite? Hippon. Si vous remportez une parade, puis battez votre adversaire, vous marquez un hippon, essayez d'anticiper ce que va faire votre adversaire. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, après une pari, on peut gagner, on peut faire un hippon. Allez, on va essayer de voir ce qu'il va nous faire.
Voilà, bon, là on l'a eu, on lui dash dessus. Hop, boum, Ippon. Voilà, suivant. Bon, la caméra elle était un peu space, j'avoue. Esquiver une parade. Et ben voilà, on y vient. Si vous pouvez... si vous pouvez, non. Si vous appuyez, pardon, sur L, ces trucs-là, ça me fait trop rire. Quand je me troll tout seul, c'est trop fort. Si vous appuyez sur L pendant une parade, vous pouvez consommer 3 unités d'énergie S pour échapper à la parade. Servez-vous-en si vous n'êtes pas sûr de ce que va faire votre adversaire et si vous voulez changer de stratégie. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas automatique, hein, vous pouvez pas le faire tout le temps, parce qu'en fait, il y a ce comment dire, le fait de consommer de l'énergie S pour pouvoir fuir une parie. Donc si vous n'avez pas d'énergie S lorsque vous voulez fuir une parie, bah vous pourrez pas, la touche elle sera pas opérationnelle. Par contre, si vous avez assez d'énergie S, là la touche sera opérationnelle, vous le verrez, elle sera éclairée de toute façon, et vous pourrez fuir la parie. Voilà. Let's go. On va rentrer en parade, regardez. Hop, et là je peux fuir. Voilà. Vous voyez, donc ça vous permet de d'enlever cette part de chance, façon de parler, dans le jeu, parce que vous pouvez le fuir ça. Après vous avez l'auto. Regardez, hop, vous faites du entraînement et tout, voilà. Donc c'est pas que de la chance en fait. Le jeu a été beaucoup catégorifié à cause de ça. Moi je pense pas à juste titre, hein, personnellement, parce que bon, ça reste un jeu très 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 complet mine de rien. À côté de ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Explosion S. Lorsque l'on vous attaque, appuyez sur ZL pour vous mettre en position pour une explosion S. Si vous êtes attaqué dans cet état, une parade se produira. Attention, faut pas aller trop vite. Cela consomme 5 unités d'énergie S, alors prenez garde à en avoir suffisamment. 5, vous voyez, ça fait beaucoup quand même. Là ça consomme là. Les explosions S sont puissantes, mais si vous subissez une brise-garde pendant que vous êtes en train de faire une explosion S, votre arme chewing-gum se cassera. Faites attention à ce que vos adversaires n'anticipent pas votre stratégie lorsque vous vous en servez. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment utilisé. Allez, hop, là je vais me parier, voilà, ça me protège. C'est une manière de se protéger. Mais en vrai, faut pas le faire tout le temps. Parce que le mec, s'il sait que vous vous pariez à chaque fois, après il va pas vous attaquer directement en fait. Parce qu'il sait que sinon vous allez rentrer en parade. Le mec, il va vous break shield. Si ça devient automatique, va se dire attendez, là, je l'attaque, il se met comme ça, bah allez, c'est bon. R. L'avantage de break shield, c'est que du coup, on évite la parade en fait. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc comme je vous le disais, brise garde, c'est super important. Faut vraiment pas l'oublier ce truc. Briser une explosion S. Utilisez une brise garde lorsque votre adversaire se sert d'une explosion S. Si vous y parvenez, vous pourrez briser l'arme chewing gum de votre adversaire. Agissez au bon moment lorsque votre adversaire utilise une explosion S. Voilà. Let's go. Justement, vous allez comprendre. Regardez. Je l'attaque. Bon, par contre là, c'est pas ce que je voulais faire. Je l'attaque, il va se mettre en pari. Et là je brise-garde, boum. Voilà. Donc ça c'est. Ça me permet de pas rentrer en parade justement, parce que vous avez vu juste avant. Si je suis rentré en parade, je me suis fait avoir. Alors que si j'aurais pas fait le con, j'aurais pas été trop vite, hop. Et voilà. Et là c'est moi qui ai l'avantage. Et en plus de ça, bah, je suis quasi sûr de faire un ripon. Et je casse son arme. Donc ça l'avantage aussi de se dire, c'est que même si je le tue pas tout de suite, le mec il a pas d'arme de toute façon. Donc derrière il est obligé de recréer une arme. Et si je le focus, il a pas le temps, hein, clairement. Donc faut le suivre et faut le tuer. Voilà. Suivant. On continue. C'est quoi ça encore? Fabriquer une grande arme. Ok. Ah bah oui, forcément. Donc là, il faut que je pète les drones. Hop. Vous avez vu, ça va pas aussi vite que ce que je faisais tout à l'heure. Donc là, moi, la technique que je vous donne avec un katana, hein, c'est vous dashez, vous mettez un coup et vous faites le bas. Voilà. C'est ma technique. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Un coup et hop, on continue. Voilà. Et donc là, je peux faire une grande arme. Entraînez-vous sur Van. Oula, attends. Donc là, il a fait bas. Vous voyez, il peut m'enchaîner comme il veut, là. Là, je suis mort. S'il faisait pas le con, j'étais mort. On va le gunbine. On lui rentre dedans. Et on l'enchaîne. Voilà. On t'a battu, mon petit Van. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous, les boss. Toutes nos félicitations. Vous avez terminé le niveau intermédiaire. Récupérez vos cadeaux. Nous, on s'en fout des cadeaux. Pour l'instant, on veut terminer, nous. Arrêtez de nous forcer, là. On veut pas ça, nous. Visée automatique. Alors là, par contre, on rentre dans ce qui est vraiment les techniques avancées. Voilà, c'est des choses que ça, faut maîtriser les bases avant de se mettre dans tous ces trucs-là. Mais en vrai, faut y passer un jour, donc faut y aller. Si votre adversaire est trop rapide et que vous le perdez de vue, appuyez sur le joystick droit pour le focus, tout simplement avec la caméra. Et là, bon, par contre, là, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, vous pouvez voir à quelle distance se trouvent vos adversaires grâce à Instant Ninja. En bas à gauche de l'écran, ils apparaîtront sous forme de petites flammes quand ils sont loin et de grandes flammes quand ils sont à proximité. La couleur de leur flamme indique également leur niveau.
Rouge s'il est de niveau égal, vert s'il est inférieur et jaune s'il est supérieur. Et là, il a beaucoup de personnes qui, à l'époque, quand j'ai fait mon premier tuto sur Ninjala, me disaient non, c'est pas ça, pour moi c'est seulement la proximité, etc. Eh ben non, justement, je suis pas fou. C'est bien ce que j'avais remarqué. Donc il y a bien un système de niveau. Si vous êtes au-dessus de lui dans la map, en fait, eh bien, vous allez être en vert. Si vous êtes au même niveau, etc., bah, vous allez être en jaune. Et rouge. Non, pardon, c'est pas ça. Donc je vous réexplique. Donc les grandes flammes. En gros, quand la flamme elle est petite, c'est que votre adversaire est loin. Quand l'adversaire est relativement moyennement proche, on va dire, la flamme est moyennement grande, et ça fait tout plein de pics quand il est vraiment proche de vous. Ensuite, la couleur des flammes, ça indique également l'endroit où il est. Donc rouge, ça veut dire que vous êtes au même niveau que lui. Le vert, ça veut dire qu'il est en dessous de vous. Et le jaune, ça veut dire qu'il est au-dessus de vous. Voilà. Et c'est exactement ce que j'avais remarqué quand j'avais fait mon tuto à l'époque. On me disait non, je pense pas que c'est ça et tout. Bah en vrai, voilà. Il a fallu attendre 5 saisons pour me dire, voilà mon gars, tu avais raison. Eh bah oui, j'avais raison. Merci beaucoup aux développeurs de Ninjala de enfin nous éclaircir là-dessus. Même si j'avais compris en fait. Voilà. Donc visée automatique, voilà, on peut le focus. Donc là en fait c'est simple. Quand vous allez même tourner la caméra, ça va revenir sur le mec. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez utiliser cette option-là pour les drones. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Ok, bon bah à part ça en vrai, je dois juste annuler. Ok, d'accord, voilà. Donc je dois le refocus, ok. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo tuto à l'époque, elle va être dans la description, hein, si vous voulez la voir. En vrai, elle est encore valable, hein, mine de rien, voilà, elle est intéressante à savoir. Hein. Il y a des choses qui sont pas expliquées en plus, là, donc pour le moment. Donc non, c'est plutôt sympa. Attendez, il est où? Il est là, ok. Donc là vous voyez rouge, ça veut dire qu'il est au même niveau que moi. Donc je sais où est-ce qu'il est, il est là-bas. Donc là il doit être dans l'autre coin. Voilà. Ok. Terminé. Suivant. Qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer? Transformer. Ah oui, transformer, ok. Vous pouvez temporairement prendre la forme d'un objet à proximité avec la transfiguration. Essayez cette tactique de ninja pour réussir une attaque surprise. Vous récupérerez également votre vie plus rapidement pendant que vous êtes transformé. Essayez de vous transformer lorsque vous n'avez plus beaucoup de vie. Ensuite, avec la transformation, vous pouvez vous métamorphoser en transformation que vous avez équipée. Contrairement à la transfiguration, vous pouvez aussi vous en servir pour épater la galerie. Vous pouvez mettre en place votre leurre avec le pad, donc la touche de droite. Si vous équipez la carte Shinobi Transformation Plus, vous pouvez également les utiliser comme piège. Ok, voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour vous transformer, c'est simple, on appuie sur E, voilà, et on se transforme en petit objet. Vous avez vu, donc ça diffère, hein, c'est pas toujours les mêmes objets, ça dépend. Mais en gros, c'est ça. Donc on va réutiliser la transfiguration, ouais. Ensuite, on peut se transformer, comme ça, donc avec le joystick du bas. Donc ça utilisera en fait votre transformation que vous avez sélectionnée dans les onglets de personnalisation du jeu. On va le refaire. Et ensuite, vous pouvez utiliser un leurre en appuyant sur la touche de droite. Voilà, avec le pad, hein. Bien sûr, pas avec le joystick. Voilà. Donc moi, j'ai le sumo parce que j'ai terminé le chapitre 2 du mode histoire. Donc vous, si vous voulez l'avoir. Il faut acheter les chapitres du mode histoire. Fabriquer de grandes armes. Si votre adversaire sélectionne le même type d'attaque que vous lors d'une parade, elles entreront en collision et vous pourrez choisir à nouveau. Toutefois, si vos armes chewing-gum sont de taille différente, les plus grandes armes l'emporteront et pourront attaquer. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais en vrai, voilà, c'est expliqué, donc c'est plutôt cool. Quand vous allez rentrer en parade, si vous avez une grande arme et que votre adversaire en a pas, regardez, quand vous allez faire le même choix que lui, ça va pas recommencer la parie en fait. Donc si lui fait bas et que vous faites bas, normalement vous refaites encore une parade jusqu'à temps que quelqu'un prend l'avantage. Là non, s'il fait bas et que vous faites bas et que vous avez une grande arme, eh bien c'est vous qui gagnez. Donc c'est plutôt intéressant et c'est super important à savoir en vrai. Donc là, regardez, je vais faire le même choix que lui et boum, c'est quand même moi qui gagne. Donc vous voyez, ça affiche l'arme en bleu avec l'étoile. Ça veut dire, bah, vous avez fait le même choix, mais comme t'as une grande arme, bah, c'est toi qui gagne en gros. Vous voyez, hop. Là par contre, lui, il a fait un autre choix. Donc là, j'ai fait haut, j'ai perdu. Donc ça veut dire qu'il a fait côté. Donc là, logiquement, s'il fait le même choix, je fais bois et je vais gagner. Voilà. Par contre, ouais, je suis con. En vrai, là, le but du jeu, c'est de faire la même chose que lui. Donc là, je vais faire côté. Et hop, c'est moi qui, avec la grande arme, va gagner. Simplement. Si une icône en forme d'arme apparaît pendant une parade, vous remportez la parade suivante. Voilà, donc on va continuer. Donc là, il faut que je fasse attaque 360. En vrai, c'est marqué. Hein. J'avais pas vu.
Voilà, voilà. Bonus final obtenu, on fait suivant. Donc ça, c'est vraiment des paramètres techniques. Là. Pour le coup, on entre vraiment dans des détails qui sont super intéressants à savoir. Parer avec des marteaux. Si des attaques dans le dos de type marteau entrent en collision avec d'autres types, vous obtiendrez une super armure. Cela prend du temps à s'activer, mais si vous parvenez à bloquer l'attaque de votre adversaire, vous pourrez lancer une puissante contre-attaque. Pardon. Donc ça, c'est bien, vous allez voir justement ce que ça fait. Regardez. Donc, je l'attaque. Je vais rentrer en pari. Et là, regardez, hop, super armure, boum. Vous voyez, donc je suis protégé, ça me fait une genre de coquille... holographique autour de moi, hein. Je sais pas si vous avez vu, regardez, on va le revoir. Hop, coquille holographique, donc ça veut dire que je suis immunisé, clairement. Hein. En gros, il peut rien m'arriver. Voilà. On va le refaire encore une fois. Voilà, voilà, hop, et boum. Voilà. Donc là, on a terminé. On fait suivant. Alors, je sais pas si on va faire ça pour toutes les armes. Maintenant, mettons en pratique les techniques que vous venez d'apprendre. Oula, attends, là, il est plus nerveux, le van. Ah, mais c'est qui il était, hein? Donc là, il a fait haut. On va aller rentrer dedans. On fait côté. Mais non, mais fait côté. Je sais pas ce que je vais faire. Hop, 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 hop. Et voilà, on l'a enchaîné. Vous avez vu? Vous mettez 4 coups. 1, 2, 3, 4. Le dash. Et comme ça, ça vous permet de refaire un combo. Mince. Attends. Ah, il faut que je marque 2 hippons. Sérieux? Hop. Et oh, tu vas te calmer, mon tir. Oh, il m'a gumbine. Non! Je me suis fait gumbine par l'ordinateur, il va me tuer. Non, il va pas me tuer. Si, il va me tuer, voilà, il a fait un hippon. Donc là, vous voyez, il a fait un hippon, parce que il m'a gumbine juste avant. Donc vous n'êtes pas obligé de le tuer impérativement quand il est gumbine, en fait. Vous pouvez le tuer même après. Donc, faut pas vous dire, le mec, il est plus... comment dire, il est plus... il a plus de matière chewing-gum autour de lui, donc je peux pas le faire. Je peux pas faire de hippon. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux, hein, vous pouvez... Vous pouvez tout simplement le tuer juste après, ça fera quand même un hippon, faut juste que ça prenne pas trop de temps. Après, en Battle Royale, bah voilà, hein, s'il y a un mec qui le tue avant vous, bah, malheureusement, c'est le gros souci des Battle Royale, qu'on se fait tomber dessus assez rapidement. Et en fait, bah on a terminé déjà, les gars. Je viens de capter, ça a été super vite, c'est un truc de malade. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont super intéressantes, hein, du coup, à savoir grâce à ce mode tuto. Il a pas non plus tout qui a été expliqué, mais quand même, il y a vraiment pas mal de choses. Et regardez, on a gagné vraiment plein de récompenses. Vous voyez, il a plein de récompenses. Voilà, on a fait au final 33 petites missions qui auront permis de débloquer en plus de ça les petites tenues que vous voyez qui sont en bas à droite. Donc pour ceux qui n'ont pas de tenue quand vous allez commencer à jouer, et bien c'est vraiment plutôt cool. Et ben écoutez. Je pense que c'est plutôt sympa d'avoir fait ce mode tutoriel pour vraiment vous montrer des choses. J'espère que vous, de votre côté, ce mode-là va vous servir. Voilà, parce que c'est bien qu'ils le mettent en vrai au final, parce que au début du jeu, les gens étaient vraiment très paumés. Ils comprenaient pas, ils disaient, mais comment on fait? Je comprends pas, les parades, c'est impossible, en vrai c'est que de la chance, machin, nana et tout. Et bah là, en vrai, avec ce mode tutoriel, ça va peut-être changer un petit peu les idéologies de pas mal de personnes. Et ça va vous permettre de mieux comprendre, bah voilà, les mécaniques de jeu. Après, il n'y a pas tout d'expliquer, parce que il y a trop de détails. Selon les armes, les trucs et tout, ça prendrait, je pense, beaucoup trop de temps, pardon, pour tout montrer. Mais franchement, c'est super sympa de l'avoir mis. Et merci aux développeurs. En plus de ça, c'est gratuit et ça donne énormément de récompenses. Et bien, écoutez. On va retourner dans le menu principal et on va tout simplement terminer cette vidéo pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment à mes côtés, voilà, et que du coup bah, vous aurez appris énormément de nouvelles choses grâce à ce mode tutoriel. Voilà, mes petits ninjas. J'étais là pour vous aider un petit peu là-dessus, vous expliquer en plus de ça un petit peu plus de trucs, on va dire, sur les à côté, parce que bon, ils expliquent comme ça, mais j'ai essayé de faire un petit peu des mises en situation, donc j'espère que ça vous aura apporté encore un petit peu plus que ce que le mode tutoriel aurait apporté de manière standard si vous y aurez joué tout simplement chez vous, et puis que voilà, il n'y aurait pas eu d'explication de supplémentaire. Donc voilà, avant de partir, n'hésitez pas à me mettre tout simplement un petit pouce bleu sur la vidéo, car ça aide la chaîne en référencement, et si ce n'est pas encore fait là aussi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner uniquement si le contenu que je propose vous plaît, et pourquoi pas activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Voilà, voilà, je vais vous inviter à prendre soin de vous, et à geeker beaucoup ou pas, ça c'est vous qui voyez. En attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos sur ma chaîne de jeu, mais notamment des prochaines vidéos
sur Ninja. Voilà, mes petits ninjas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé sur cette vidéo et de l'avoir regardée en entier. Voilà, et je vous dis tout simplement, ciao ciao mes amis. Et aussi, bah, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos Ninja là. Voilà, si vous voulez voir, il y a énormément de vidéos sur ma chaîne. Il y avait aussi un tuto que j'avais fait au début du jeu, etc. J'ai fait le mode histoire et tout, donc n'hésitez pas à checker, il y a vraiment plein de contenu. Allez, encore une fois, de gros bisous et je vous dis ciao ciao mes petits ninjas.